J'ai commencé à faire du karaté il y a à peu près 10 ans. C'est mon frère qui a commencé à en faire. Et puis, j'en ai fait, ma sœur en a fait, ma mère en fait aussi. Et ça m'a plu, du coup, j'ai continué. Au début, je faisais du kata et du combat, mais j'avais plus de facilité en combat. Et au bout d'un moment, faire les deux à haut niveau, c'est assez compliqué. Donc, vu que j'y arrivais mieux en combat, je continue à faire du combat, du coup. Le fait de faire des combats, de s'exprimer différemment que d'autres sports comme le foot ou la danse, c'est bien différent. Et oui, ça m'a plu de pouvoir de combattre. Le fait de combattre, ça j'aime beaucoup. Voilà. J'ai été championne de Vendée et niveau régional et régional départemental, j'ai toujours été première en combat. Et après à niveau national, ça va dire que juste avant le Covid, j'ai commencé vraiment à faire des podiums. Mais quand j'étais plus jeune, j'en faisais moins. J'étais souvent 5e, 7e. Et là, je commence vraiment à faire des podiums un peu plus régulièrement et sur des compétitions nationales. J'ai fait vice-championne de France et là, j'ai fait deuxième à la Coupe de France. J'ai fait 3e deux fois à Adidas. Les compétitions internationales, Youth League, oui. À Chypre, j'ai fait 5e. Et en Croatie, j'ai fait 2 tours. Quand on est à l'international, c'est complètement une autre façon de combattre. Et puis dans le cadre même de la compétition elle-même, on ne parle pas la même langue. C'est complètement autre chose. Les techniques ne sont pas pareilles. C'est beaucoup plus diversifié. Et puis c'est intéressant. On n'a pas l'habitude de combattre les autres personnes. C'est difficile généralement qu'on ne combat jamais. Et donc sur ce moment-là, c'est intéressant. Un peu trop. J'essaye d'être plus. De ne pas laisser mes émotions prendre le dessus parce que je m'énervais facilement. Maintenant, ça va mieux. Je suis rapide, on va dire. Surtout mon mental, je pense, qui joue beaucoup. Je m'accroche toujours jusqu'à la dernière seconde. Avant, mais je laissais beaucoup mes émotions prendre le dessus. Je me décourageais pas, mais quand je m'énervais pour des choses, quand je perdais, je m'énervais. Je disais souvent que c'était injuste, alors que maintenant je me dis non, c'est que j'ai fait des erreurs. J'essaye de faire de moins en moins d'erreurs, de fautes, et pour que tout ce que je fasse soit. Qu'il n'y ait pas de brouillon, entre guillemets, que tout soit bien. Moi, je suis très stressée en compétition. J'essaye de travailler beaucoup dessus et de moins faire jouer mes émotions du coup. Mais une compétition, j'essaie de l'aborder le plus sereinement possible parce que je me mets beaucoup de pression. Parce que le problème, c'est que quand on fait des podiums et que par exemple quand j'ai fait vice-championne de France, faire une autre compétition et perdre tout de suite, c'est compliqué. Donc faut essayer de toujours être. En haut, entre guillemets, de pas d'avoir un niveau assez. Des podiums constants. Et donc voilà. Le baobab, c'est un enchaînement de coups de poing. Qui surprend quand on le fait parce que c'est assez. Trois coups de poing d'affilée et puis quand on s'y attend pas, ça fait bizarre. Mais voilà, c'est ma technique, on va dire ça comme ça.
une semaine classique. Mais lundi, mardi, mercredi et jeudi, et le week-end des compétitions ou des stages. Voilà. En fonction de comment je suis dans une semaine, j'ai plus ou moins envie, mais faut toujours s'accrocher parce que on peut pas rien faire pendant une semaine et puis la semaine d'après se mettre à fond. Faut être régulier dans ce qu'on fait. Mon frère, du coup, il a commencé à en faire et il a arrêté parce qu'il a l'université. Mais ma sœur, elle en fait aussi au niveau. Et ma mère aussi en fait du karaté. Il y a que mon père qui en fait pas. Ce club, c'est une deuxième famille en fait. J'ai rencontré beaucoup de gens ici qui sont. Et Christophe, c'est quelqu'un de super qui m'a permis vraiment de faire des choses formidables, de partir à l'étranger. J'aurais jamais cru faire ça avec le sport. Puis même, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu important pour moi, qui... Oui, c'est un super coach. Quand moi j'étais toute petite, ceux qui étaient au lycée, du coup, ça a toujours été des exemples. Imadine qui a fait les Europes il n'y a pas longtemps, c'est vrai que ça a fait rêver ça quand même, hein, parce que... Il venait plus aux entraînements parce qu'il faisait ses études. Et puis là, qui fait des podiums comme ça et qui part au championnat d'Europe, ça fait rêver, oui. Aller aux Europes, les mondes, aller en équipe de France, tout est réalisable, hein, mais faute d'entraînement, faut continuer à persévérer. Et puis, le travail paye. Donc, on peut en restant ici, mais je sais qu'il y en a qui partent en pôle, mais c'est vrai que le sport... moi, je suis en sport-études, donc déjà, ça aide beaucoup. Donc j'ai déjà un cadre sportif assez poussé, et je pense que c'est déjà bien. Je pense que ça suffit.